Salut YouTube! Aujourd'hui, nouveau concept, 5 bronzes VS, un top 500. Ici, c'est le meilleur amonde de France. Il a les stats x2, donc c'est-à-dire il a les PV x2, il a les dégâts x2 et il a il reçu x2, donc c'est-à-dire les packs de soins, ils sont x2. Notre meilleur ball de France, c'est évidemment le bon saut sucre. Et du coup, nos 5 bronzes, on a Darksider Octopus 2, Light Cyrox et Mist Noisette. Et il fait la même strat que Stelios, c'est-à-dire attendre à la sortie du spawn. Et les bronzes, eux, ils y vont, hein. Eux, ils avancent, hein. Normalement, vous allez pouvoir voir des astuces de ball. Donc pour tous ceux qui veulent s'entraîner avec ball, de toute façon, à chaque fois que vous voulez voir des astuces déjà, ce genre de vidéo, si vous êtes main d'un perso, c'est les meilleures vidéos parce que ça vous permet de bien vous entraîner. Ah ouais. En vrai, il fait pas tant de dégâts que ça. Hein. Déjà, il fait pas tant de dégâts que ça. Hein. Ça, wow. Oh, si, il fait quand même pas mal de dégâts. Mais en fait, il a beaucoup de PV. Il a beaucoup de tankiness. Et il charge son ulti très vite. Regardez la maille. Oh. Elle a survécu la meille. Bon voilà, premier fight gagné. De toute façon souvent le premier fight c'est le GM qui le gagne. C'est le top 500 qui le gagne. Parce que c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'est une règle, c'est une règle. Et puis Saussucre il échappe pas à la règle. Donc voilà, d'ailleurs palmarès de Saussucre, il a gagné une map face à la team Peps. La team Peps de Fefe. Attention, Fefe GG sur YouTube, sur Twitch. Direction le cas Fefe. Donc il est chaud quand même. C'est pas n'importe qui a fait ça. Moi j'ai jamais pris de map face à Team Peps. Jamais joué face à Team Peps déjà de base. Ça sera qui le prochain? Je sais pas. Merci, c'est pas cool pour le sub pour le 5ème mois. Je jure, c'est pas cool, t'es un amour. Mais juste, je sais pas si vous avez remarqué. Là, la Sombra à chaque fois elle lui force à go point. Genre la Sombra elle se met tout seule sur le point, elle essaye de lui prendre le point. Ouais, c'est intéressant comment il joue. Et même le hack. Regardez là, il a les mines en plus. Oh là les... Oh le gel. Ah, non. Putain, il en a tué plein. Oh, il les a quasiment tous tués, il en reste plus que deux vivants. C'est une folie. En vrai, je pense qu'ils ont confiance en leur compo. Je pense qu'ils vont la garder un peu plus longtemps. Et les packs de soins, ça sauve la vie, hein. Un des là, il va chercher un petit pack de soins. Hop. Pendant ce temps, tous les bronzes sautent dans les mines. Vas-y frère, concentrez-vous. Les mines, c'est des petits trucs comme ça. Vous les voyez quand même. Oh non, vas-y. Putain. Oh vas-y, les mines c'est trop dur pour eux. C'est trop dur à esquiver. Ils savent pas s'en sortir. Ça me tabasse. En vrai, Mei Sombra ça le met quand même mal. Mais bon. En vrai, est-ce que c'est pas mieux d'aller sur son main et d'être sûr de savoir jouer le perso que tu vas jouer? Tu vois là, il a eu le temps de faire son E, faire son ulti, d'aller chercher un pack de soins. Ouais, ça me met trop bien. Hein. Et tu vois, quand il pose son champ de mine, son objectif c'est d'essayer de boucler les gens dans le champ de mine. Par contre, là c'est improbable. C'est improbable que tu te sois fait freeze. Hein. Il y avait le petit doigt de pied qui dépassait. Hein. Ouais, t'as vu. C'est improbable. C'est une dinguerie, frère. Sinon, là, comment tu sens là pour l'instant? Franchement, je pense que. Easy, franchement, easy. J'ai aucun. Là, j'ai aucune peur. Je sais que je vais gagner. Ouais, mais oublie pas, après tu dois push le payload. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, je dois pêcher le pélo juste après. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il faisait juste du tourner. Vous voyez? Ça, c'est ce que vous faites dans vos games. Juste vous tournez. Lui, avec son amonde, il tourne pas simplement. Il fait des sauts, il. Hop! Pile drive, il appuie sur E en même temps que le pile drive. Mine, il passe au-dessus. Là, ils meurent tous. Là, c'était. Ouah! Ah bah là ça touche pas les points hein. Il nous fait une emote carrément. Ah ça a fini plus vite que prévu hein. C'est satisfaisant quand quelqu'un joue bien bulldozer. Mais je jure hein, c'est trop satisfaisant hein. Tous ceux qui disent que je copie J3. Regardez, J3 lui il désactive son bras. Moi je désactive pas son bras zen machin tout ça là. On désactive pas du tout. Et vous voyez que mes top 500, mes vrais top 500, ils gagnent, ils s'en sortent. Bon voilà hein, c'est bien d'inviter des chasmes, des machins. Juste sans sucre. Ou alors c'est les bronzes français qui sont plus nuls que les bronzes américains. Ça je sais pas. J'ai pas l'info, j'avoue. Les bronzes sont console. Octopus, Light, Xerox et Mister Noisette aussi, ouais. Ouais. Y'a que Darksider qui est pas console. Mais bon, un bronze est un bronze, hein, d'un autre côté, on peut rien dire. Hein. Un bronze est un bronze. Regardez, il est déjà sur le payload, le mal. Il est déjà sur le point. Ça fait 15 secondes que la game elle a commencé. Et il est déjà sur le point, il a déjà tué deux mecs. C'est terrible. Je peux pas faire 10 bronzes vs 5 gold les refs. C'est pas faisable.
D'ailleurs YouTube, hein, si vous avez des idées de concept, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Hein. Je lis tous les commentaires. Et puis peut-être que si votre concept il est bien, un jour il sera sur... Un jour vous le verrez en vidéo. Wow, ça vous voyez, ça c'était un double boop. Je pense qu'ils regardent pas ce qu'ils font les frères. Hein. Juste, ils se font fumer juste. Ils fument, je raconte n'importe quoi. Diva, Junker Queen, Orisa, ouais. Orisa c'est pas mal aussi contre le boule. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute pour esquiver les boules. C'est un ouf. Ok. Oh, il a loupé la tech, mais ça aurait pu passer. Sigma sur un boot counter. Sigma c'est... En fait ça dépend les maps. En fait le problème de Sigma c'est que ça dépend vachement des maps. Les maps sur des grandes avenues. Genre là sur cette partie de la map ça pourrait être pas mal. Mais il y a trop de trucs pour flank etc. Ah des mines. Attendez, j'ai envie de regarder leur Symmetra. Enfin ou leur Mei. Genre qu'est-ce qu'ils font pour tomber dans les mines à chaque fois? Bah ils font ça. Ils sont juste complètement. Ils sont juste idiots en fait. Ça c'est ça. En fait un bronze. En fait un bronze archétype. Archétype d'un bronze, c'est... Je sais pas. Ah, je suis sur le cul là. Le man, il a essayé d'avancer, il y avait une mine, il est mort. Ouais, contourner les bombes, casser les bombes, je sais pas. C'est... Enfin, c'est pas... pas compliqué, quoi. Il va nous refaire la même chose, me dites pas qu'il refait la même chose. Hein. Ne fais pas la même chose, s'il te plaît. Je t'en conjure. Light, je t'en conjure. Mais Light, il y a une faute à son pseudo en plus. Attendez, c'est moi ou il y a une faute à son pseudo? Oh, le pauvre Octopus. Et ça, c'est le problème. Là, c'est le problème des bronzes aussi. C'est que... Light, non? Ah, Light, c'est bon? Bah alors, c'est moi qui aurais fait une faute. My bad. Vous voyez, je suis débile. Je devrais être bronze, hein, finalement. Vous voyez, ça, c'est le problème des bronzes aussi. C'est que ils oublient d'y aller à 5. Genre là ils y vont un par un et du coup bah ils peuvent rien faire. Genre là la Mei elle va ulti. Déjà ça pue la merde. Et en plus bah elle va rien faire quoi. Merci pseudo à 2€ pour le 3ème mois de Prime. Merci les refs, vous êtes des amours. Pourquoi il est en 1v5? Parce que c'est le but du concept mon frère. Voir si un GM en 1v5 peut battre des bronzes. Et apparemment peut battre des bronzes. Amon de l'emporte. Bien joué mon ref. J'ai rien à redire. Rien à redire, c'était très clean. Je vous coupe rapidement pour vous rappeler que si vous kiffez le contenu, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. C'est gratuit et ça soutient de fou. En plus, on essaie d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année et pour ça, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas non plus à aller voir Sosucre sur Twitch. Ses streams, c'est des masterclass. Tous ses réseaux sont en description, comme les miens d'ailleurs, donc allez voir. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Bah là, ça les écrase. Ça tue un Zenyatta. Voilà, l'immortalité était trop lente. Bien joué Mister Noisette, t'as réussi à louper une immortalité. C'est masterclass. Et tu vois, ils l'ont déjà hack. Ça a servi à rien, mais ils l'ont hack. Parce que là, ils ont plus de soins. Je doute qu'ils gagnent le fight. Mais là, ils ont une bonne compo. Hein. Baptiste, Zenyatta, Sombra... Moi, je pense que c'est juste le tank. Le tank Sigma, c'est peut-être pas assez bien pour Counter Ball. Mais c'est pas mal. Parce que mettez-vous à la place des bronzes aussi. Déjà c'est malin d'avoir pris son bras. Ouais c'est bien son bras. Tu vois c'est bien là ce qu'il tente. D'essayer de le hack quand il est derrière lui. C'est pas mal. Mais là tu vois ils retombent dans leur travers les bronzes. Parce qu'ils y vont un par un. Mais Mister Noisette il est tout seul là le frère. Ah ouais. Salut Ova, salut Asher d'ailleurs. Oh. Et là le Zenyatta. En vrai c'est dur d'être Zenyatta dans ce concept. Parce que même si tu gagnes, c'est à quel prix? C'est... Tu te fais fumer ta grand-mère. Tu passes ta game au spawn. Et pendant que moi je parle, en vrai, les bronzes, ils s'en sortent un peu, hein. Parce que tu regardes, il a du mal à se heal, tuer et push le robot. Ouais, y'a moyen, hein. Y'a moyen d'aller chercher la map, hein. Oh. Oh. Non mais Light, y'a un problème. Light, faut en parler. Les refs, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Light, je vais péter mon crâne. Light, il, tout le temps. À chaque fois qu'il y a des mines, à chaque fois il meurt dedans. La sombrette devrait hack les packs de soins. Exactement. Ça, je suis totalement d'accord. Mais bon.
faut y penser, hein. Moi, je leur donne pas l'astuce, hein. Après, quand tu fais ce concept, tu regardes les autres vidéos. Et s'ils ont regardé la vidéo sur Stelios, ils se seraient rendu compte que le moment où Stelios a le plus galéré, c'est quand la sombra elle a commencé à hack les packs de soins. Parce que du coup, quand tu hack les packs de soins, il peut plus se heal, il peut plus rien faire. Ouais, à chaque fois qu'il y a un ulti, et puis c'est dur en fait. L'ulti c'est dur vu que les mines one shot avec la boost de le boost de dégâts. Vu que je crois qu'une mine ça fait 120 de dégâts, je crois. Bah, il parle pas, il est juste full concentré. Ouais, c'est ce que je sais pas. Je sais pas si t'as remarqué, Canardu. Oh. Ah, oui, ça a mis Octopus à crash. Petite pause, Octopus à crash, on revient, vous inquiétez pas. On a demandé une pause en fait. Ils ont demandé une pause, ils en pouvaient plus. Il y a un mec, il est en train de pleurer, donc en fait, on revient. J'ai dit à mon chat, il y a le daron, il a récupéré la télé là, ça faisait 10 minutes qu'il attendait. Il y a le vieux daron, il a repris la télécommande. Il a repris la télécommande. Rien à foutre de ton jeu. Tu coupes ton jeu là, c'est bon. Il a mis des putain, il y a l'heure des pros qui commence. Tu me fais chier. Tu m'emmerdes avec ton jeu là. En plus, aujourd'hui il y a Zemmour, j'adore moi. Hop. Aujourd'hui il y a Zemmour, en mode il est pas là tous les jours déjà. Attendez, il a crash, il arrive. On attend un peu. C'est good, c'est bon, il est là. C'est parti les refs. Mais Canard du 8, ouais, t'as raison. Mais je. Après, c'est difficile aussi. Moi, je suis pas caster, je suis pas machin. Donc. Mais si vous avez des idées de comment améliorer le concept et tout ça, les gars, comme d'hab, je suis ultra à l'écoute. Et n'hésitez pas, n'ayez pas peur de le dire dans le chat. Vous serez jamais vu comme un aigri ou quoi que ce soit. Ou si vous voulez me le dire en MP ou quoi que ce soit, les refs, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, Sosucre, il est en train de push le pélo, tranquille. Voilà, hop là, ça boupe. Il y a un Lucio sur le point, il est en train de s'en aller avec le point. Ah non, il le garde. La ref. Bah c'est la ref, mais c'était valable pour toi, mais c'est valable pour plein de gens qui me disent ça, hein. D'ailleurs, vous allez voir qui en prochain guest? Je vous demande, mais normalement, le prochain que j'invite, je sais qui c'est. Mais je vous demande quand même. En vrai, j'aimerais trop, dans ce concept, imaginer les dégâts que fait un Lucio. Genre un Lucio qui arrive full wall ride, il fume un mec avec ses petites ondes sonores. Le bruit, il envoie du bruit sur les gens. Ouais, je pense que ce serait marrant, hein. Un Poco healer, non mais si j'invite Poco, vous êtes des ouf. Jamais je le fais jouer healer, je le fais jouer Diva tous les jours. Diva ou à la limite Ram, Sigma, mais Diva tous les jours en vrai. Ok, pilonnage, il reste plus que quelques secondes, il n'y a plus que la prolongation maintenant pour eux. En vrai ça va être chaud, hein. Ils ont plus d'ulti, là il y a les mines, normalement il y a Light qui meurt des mines, hein, si tout se passe bien. Donc oh, ouf. Oh, il s'est fait jeter dedans. Il s'est fait jeter dedans comme une chaussette. Hop là, Light. Light. Oh, le double boop. Non, mais frère. Oh là là, ce dernier fight, il est ignoble pour les bronzes. Il est ignoble. Oh, les pauvres. Bah, voilà, double boop. Là, il s'amuse à faire des techniques, vous voyez. Il joue avec la nourriture. Pourquoi tu fais ça, là? C'est pas sympa, hein. Regarde, il y a un mec, il a go ball pour essayer de te diff. Il va peut-être y arriver, hein. Tu penses qu'il va y arriver? Non. Ah non. Ah bah non. Bah, let's bien go. Bien joué. Tu gagnes ce défi face aux bronzes. Eh ouais, j'ai gagné contre les bronzes, les gars. Voilà. Toujours qu'un seul qui a pas gagné pour l'instant, c'est Foxygène. Voilà. Comment ça, mon ref?